à toi, mon frère, ma sœur. Que la paix, la joie, l'amour et la protection de notre Seigneur soient toujours avec toi. Nous sommes rassemblés, nous sommes en union au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, 6 juillet, l'Église fait la mémoire d'une sainte que j'aime bien, Sainte Maria Goretti. Sainte Maria Goretti est une vierge et martyre à l'âge de 12 ans. Elle a perdu son père précocement, ce qui fait qu'elle vivait dans une situation précaire, dans la promiscuité. Elle a subi un harcèlement de la part d'un jeune homme qui vivait sous le même toit qu'elle, mais elle n'a jamais cédé. Elle n'a jamais cédé et elle disait tout le temps, c'est un péché, je ne peux pas le faire. Et un jour, lorsque son bourreau en avait marre, elle a été frappée de 14 coups de couteau par son bourreau. Elle est décédée le lendemain. C'était le jour de sa mort. Mais la particularité, c'est que Sainte Maria Goretti a pardonné à ce jeune homme avant de mourir. Et ce jeune homme s'est converti étant en prison. On peut bien voir que Sainte Maria Goretti est un modèle et un exemple de foi, mais surtout de miséricorde. Aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un qu'il ne sert à rien de se venger. Ton voisin t'a fait du mal, ton mari t'a blessé, ta femme, peu importe la personne, ton collègue, il ne sert à rien de se venger. Car notre Seigneur a dominé la mort, l'enfer, le péché. Et c'est ce chant qui monte dans mon cœur pour dire que dans ce monde, rien n'importe. Ce qui importe, c'est être auprès de Dieu. Ce qui importe, c'est être auprès de mon Seigneur dans le ciel. Et l'enfer, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus, il est vainqueur. Et dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur nous dit qu'il est mieux de dire « tes péchés sont pardonnés » que de dire « lève-toi et marche ». Aujourd'hui, je veux te demander, qu'est-ce qui t'importe? Qu'est-ce qui t'importe le plus? Les choses de ce monde ou alors les biens du ciel? Qu'est-ce qui t'importe? Et l'Évangile nous dit encore qu'il faut se préoccuper des choses qui tuent l'âme, qui tuent notre intérieur et non notre corps. Sainte Maria Goretti est un exemple. Aujourd'hui, je veux dire au Seigneur, et je t'invite également à le faire, ce qui tue mon corps, Seigneur, ne m'importe plus. Ce qui tue mon corps ne m'importe pas, Seigneur. Ce qui m'importe, c'est être avec toi dans le ciel. Ce qui m'importe, c'est de savoir que j'ai une place avec toi, Seigneur, à l'heure de ma mort. Oui, le Seigneur est le vaillant guerrier, il est le puissant guerrier dans les combats et il combat pour toi. Il ne sert à rien de te combattre. Il ne sert à rien de combattre, mon frère, ma sœur. Il a payé pour toi. Il est le vaillant guerrier, le fort dans les combats. Il suffit juste que tu lui dises,
qu'il combat pour toi. Dans cette présence du Dieu qui combat pour nous. Nous restons dans cette présence du Dieu miséricordieux et nous continuons encore de méditer sur la vie de cette sainte Maria Goretti, cet exemple de foi et de miséricorde. Dans le nom de notre Seigneur, qui est Père, Fils et Esprit Saint, dans les siècles des siècles. Amen. Je te souhaite une bonne journée dans le Seigneur Jésus. Sois béni.